côté de Blainville, qui sera accompagné par Armel Dagrou. Attention, la deuxième grosse frappe. Occasion, voilà. Et de Montréal, Outremont d'ailleurs, qui... Dagrou qui rentre dans la surface. Très et c'est puissant, hein, attention, la première bien occasion. Joué. La première occasion de Pierre Rudolph Maillet. Voilà, qui sont semi-pro là-bas et qui ont été formés pour attention, le compte qui lance dans la surface. Mais c'est en position 2. On est, c'est un peu difficile. Est tout seul. Oh là là. Oh, attention. Oh là là. Oh, la grosse occasion. Pour... attention à Maillard qui va se présenter seul. Oh, l'ouverture du score à la 21e minute. Quelle efficacité dans son flair. C'est ce que je disais, dans son ressenti. C'est vraiment quelque chose. Ça, c'est une école. Voilà. C'est le flair de cette. Très très vite, attention. Au corner avec les dégagés de Monaco, qui s'est récupéré par Blainville. C'est la frappe. Ouh, la détente de Mono. Côté droit, effectivement. Côté droit avec Tucker qui a le temps. Il attend de regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il remet en retrait. La frappe qui est contrée. Qui va regarder c'est avec son pied droit, Adama Sissoko, la balle est sortie et l'égalisation d'Adama Sissoko. Quelle belle lecture de jeu. Et restez attention avec Maillard quel ballon, il sait pas quoi faire. Attention au retour, oh là là, il avait levé. Dommage de la, c'est dommage de la perte si tôt pour les blancs. Il la récupère. Oh, attention la frappe, ouf, la frappe à 25 mètres. Une nouvelle fois beaucoup de monde avec Maillard qui est tout seul. Maillard et le deuxième but pour l'AS Blainville. On l'a vu venir ce but avec ce coup avec Dagrou qui cherche Maillard. Dagrou qui récupère, Dagrou qui va pouvoir armer côté gauche en déséquilibre. Oh, ça passe à côté. Oui. Allez Malongo. Oh, la balle manquée par Malongo et c'est sauvé et ça par Abraham Saint-François. Oh, la troisième grosse occasion. Oh, attention, nouvelle erreur, c'est pas c'est aussi qui arrive pas à se dégager et c'est récupéré par Blainville et ça et fait but. 3 buts à 1 pour Blainville. Côté droit, on va essayer de se porter dangereux, le centre dans la surface pour Abraham François qui est tout seul, la tête et la réduction du score. Réduction du score